matin, une émission sur Radio J, je crois, la fréquence juive, sur la question du livre de Freud, Moïse et le monothéisme, qui est paru en 38-39, je ne sais plus. Et on essayait d'expliquer les racines de l'anti-judaïsme ou l'antisémitisme, et ce qui était proposé dans cette émission, c'était que les juifs incarnaient, d'une certaine manière, le décalogue, les 10 commandements, avec les interdictions qui étaient liées aux 10 commandements et qui étaient considérées comme un retranchement, mais que je dirais comme un surmoi en fait. Donc incarner le surmoi, l'interdiction, la privation de quelque chose, de telle consommation, de telle satisfaction, c'était quelque chose qui allait être associé au judaïsme. Ce qui n'est d'ailleurs peut-être pas non plus sans intérêt. Cela dit, j'aurais quand même mettre un bémol, parce qu'en réalité, ces 10 commandements n'ont pas été dressés aux Juifs, mais aux Israélites du Nord, aux populations sécessionnistes. Alors il y a tout un problème, ils ont trafiqué le Pentateuque, etc. Enfin, quand on dit « écoute Israël », on ne s'adresse pas aux Juifs, on s'adresse aux Israélites du Nord, aux populations qui ont rejeté le pouvoir de la dynastie de Salomon et de David, etc., et de Jérusalem, et qui se sont installés au nord du royaume de Juda. Mais, donc là, il y a une confusion. Mais d'une manière générale, effectivement, le royaume d'Israël incarne le non-juif, incarne le non-juif qu'on interpelle. Quand on dit « écoute Israël », on ne s'adresse pas aux juifs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on s'adresse aux non-juifs. Parce que ceux qui ont rompu avec le royaume de Judée n'étaient pas réellement des juifs. Enfin, ils étaient vassalisés par les juifs, mais ils avaient accepté la vassalité du royaume de Judée, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est très clair. À la mort de Judas Salomon, ils ont dit « il faut que tu allèges les charges qui se tombent sur nous ». Ben nous, c'est forcément des vassaux qui ont un tribut à payer, etc. Bon. Donc, le décalogue s'adresse aux Israélites, et les Israélites, ce sont les chrétiens.